Eh bien, le bonjour mes gens et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims 4. J'espère que vous allez bien. Bon, bah, ça commence sur les chapeaux de roue. Amélia a très faim. Est-ce que j'avais des choses dedans? Oui, du coup, elle va pouvoir prendre une portion. Elle court même pour se servir. Dans l'épisode précédent, on avait vu que. Bah, enfin, on avait complété toutes ses compétences. Là, ça, c'est super cool. Et en prime, que c'était bientôt son anniversaire. Donc, je pense qu'on va bien. Enfin, H3. Je pense qu'on va avancer l'anniversaire, on va organiser une petite fête. Dès que tout le monde est à peu près, on va dire, opérationnel. Parce que là, tout le monde a besoin de l'énergie, le bébé a réclamé de l'énergie. Donc soit on attendra, soit on va réussir dans les 3 jours, soit bah, je le ferai évoluer, comme j'ai dit, plus tôt. Alors par contre, je ne sais pas comment ils ont foutu les pancakes là-bas. Ils ont réussi, hein. Purée. T'as pas fini là, mon gros. Eh, mon gros tonton. Journée de la nouvelle compétence. Amélioration de compétences. Alors, déjà, on va nourrir tous les chiens. Remplir toutes les gamelles. La vaisselle est en cours. On va vider un petit peu ça. Je fais un peu le rôle de l'homme de ménage là parce qu'il est pas venu aujourd'hui. Et du coup, on va nettoyer ça. Amélia vient de devenir une bonne amie de moi. Heureux. Hop, on coupe ça. Putain. Contactez le service de réparation. Nourrir, nourrir au biberon. Quoi, t'as déjà mangé, Chihuahua? C'est quoi ça? Tellement dur. Ok. Bon bah on est un peu dans la merde là hein, en termes de meubles qui se pètent. En fait ça s'arrête pas là ces derniers temps. Désolé, je bug beaucoup, fatigué un petit peu donc du coup voilà. Météo mystérieuse. D'accord, on aura une météo mystérieuse. Donc j'ai appris une compétence, c'est cool, ça m'a validé. Du coup Mélo est parti dormir, Amélia aussi. Par contre, mon tonton, il est un peu dans la merde. Bon, tu me diras, il mange. Ta Jessie, elle pète le feu. On va donner une grosse friandise. Ah, t'es fatigué, tonton, t'es fatigué. Ah oui, puis, comment on fait le lien bientôt pour les Sims 5? Alors vous inquiétez pas, le jeu, je l'aurai, les Sims 5, ça c'est sûr qu'on l'aura à la sortie dès que ça sort. Hein. Enfin, déjà on va laisser le temps voir si ça sort vraiment l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais il y a aussi... ouais, donc vous savez, dans les Sims 2 et tout, vous avez vos Sims qui étaient en couple, et ben qui pouvaient s'accoler ensemble, vous voyez? Donc s'accoler et tout. Et même Sims 3. Hein. Donc j'espère un retour de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, moi, je veux un truc comme ça. Je veux vraiment qu'il soit plus réaliste, en fait, les Sims 5. Je veux pas d'un truc où on a coupé ou amputé des choses sous prétexte que pour les gens qui n'ont pas un gros PC ou pour l'avenir, par exemple, bah, des extensions. Dans ces cas-là, je suis sûr qu'ils peuvent trouver un moyen. On est en 2020, faut pas l'oublier. On n'est plus dans les années 2000. Hein. Il y a quand même une grosse évolution. En termes de technique et tout, dans les jeux ou que ce soit les ordinateurs, maintenant on peut même trouver des PC pas trop chers. Donc il y a un moment donné, voilà, faut qu'ils se bougent et qu'ils arrêtent de se cacher derrière ça. Hein. C'est juste pour. J'en fais moins, mais je vends plus. Vais changer la couche au bébé. Bercer et on va le nourrir. Niveau supérieur, ouais. Alors Mélo, elle devait apprendre mixologie, ouais. Donc de toute façon, là, je crois que j'ai... ouvrir... C'est où la mixologie là dans tout ça? Je crois que c'est ça. Ah ça, c'est relire. Donc on va acheter le deuxième chapitre de la mixologie. Parce que là, de toute façon, on n'a pas... Wow. Compétences.
Je trouve pas. Ah voilà, le volume 2 qui coûte quand même 150 simflouzes. Hein. Allez, tu vas le lire. Merci de votre commande, mais de rien. Bon, on va aller dormir. Pourquoi il n'y a pas la compétence qui grimpe? Eh oh, Jacqueline? Pourquoi il n'y a pas la compétence qui grimpe? Je crois que je dois l'analyser maintenant, c'est ça? Ah, faut que j'achète le 3 ou bien? C'est possible qu'il faut qu'au final j'achète le 3. Alors JC, c'est une suicidaire. Hein. Elle va dormir près du lave-vaisselle qui est défectueux, avec qui fait des étincelles. Non mais sérieux, c'est quoi ce chihuahua? Hein? C'est quoi ce chihuahua? Encore un peu pourrait se faire électrocuter. Mais oui, mais j'essaye moi d'apprendre ça là. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va essayer d'acheter le troisième, hein, du coup. Putain, c'est pas possible. Acheter des livres. On revient. C'est vrai qu'il fait quand même assez lourd là. C'est étouffant. Je pensais pas que je devais acheter déjà le troisième ouvrage. Lire. Bah non, j'ai plus de barre. Comment ça se fait? Attendez, c'est quoi ce bordel? Si pour ça, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est bien le livre de la mixologie. Bah oui, bah alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça doit être un gros bug. Pourtant, moi sur Tonton, là, ça fonctionnait bien. Hop, on va augmenter le divertissement de Tonton comme ça. Ça sera parfait. Ouais, le travail de Mélo commence bientôt. Je vais vider ça et je vais aller aux toilettes. Hein, il est bien long le réparateur et réparato. Pourtant, je l'ai bien contacté. Il est pas venu? C'est férié, c'est ça que tu es en train de me dire? Alors, Amélie me fait trop rire. Bon, je vais aller prendre une douche. Et on va aller s'asseoir. Mais même ça, dans le canapé, je crois que s'ils peuvent toujours s'enlacer ou pas, je m'en souviens même plus. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Amélie? On va illuminer sa journée. Sa collègue hurle à Mélo, mais bon, en même temps, elle a fait un acte de vandalisme. Alors, le bébé est réveillé, on va faire gaffe à ça. Tonton, tu vas encore manger? Non, c'est périmé. Oh bon, puis il mange. Attends, on va nettoyer. Vu que c'est périmé, on va refaire quelque chose quand même. On va servir le dîner. Grintade taco. Allez, hop, c'est parti. On va faire un tournage de nous en cuisine. Hop. Alors lui, il part là-bas. On revient. Et je sais plus c'est quoi la touche de caméra. Hé, arrête! Il y a le bébé qui pleure. Voilà. Et on va pouvoir reprendre le gratin. Pourquoi, en fait, le réparateur, pourquoi il n'arrive pas là?
C'est quoi son problème là d'habitude? Attendez, j'ai pas. Possible. Ah d'accord, c'est déjà planifié. Bah écoute, moi, s'il vient pas demain, je le répare moi-même. Bah écoute, on va essayer de. Pourquoi je peux pas le réparer? Il y a 3 secondes, je pouvais le réparer. Maintenant, je peux plus le réparer. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mon truc? Mais ça cuit. Bordé. Ben, je l'ai même pas vu rentrer. Ben, attendez, il serait encore là? Le mec, il m'a réparé le truc sans que je le voie. C'est ça que toi. Oh là, mon jeu, il est buggé à mort. Hein. Ben, même le nettoyage, normalement, on gagne de la compétence. Je comprends pas tout de ce qui se passe dans le jeu. Hein. Ouais, ce serait bien que ma fille fasse ça, qu'elle aille tout seule sur le pot. Eh mais je crois que ma maison elle est buggée ou il y a un truc qui est buggé là. En fait j'ai juste rentré des cheat codes pour la vidéo, le live découverte en fait de la fac. D'ailleurs, qui aura lieu aussi le dimanche là. Et en fait, j'ai rentré le code pour ça et finalement, j'ai l'impression que c'est tout buggé là. Je sais pas pourquoi. J'ai des bugs sur bugs. Alors, attends, tonton, on vient. D'accord, ça n'a pas été vraiment la hauteur, ok. Bon, Mélodie, elle est rentrée avec des Simflouz, elle va aller prendre un bain. Et ensuite, elle va venir dormir. Tonton, je lui ai dit 50 fois de se bouger le derrière, mais bon, c'est pas grave. Faudrait que j'essaye, c'est ça. Alors, du coup, je vais reprendre mon gratin, moi, parce que là, il l'a pas fait. Donc là, il y a bien la barre de compétences cuisine qui monte. Mélo, elle est tellement fatiguée qu'elle s'est même pas réveillée pour le bébé. C'est vrai ça? Bon, il y a les deux chiens qui dorment par terre. Comique. Et du coup, l'homme de ménage n'est pas revenu. Maintenant, je ne sais. Ah, il y a des feuilles qui commencent à tomber. Pas mal. Donc il a fait ça, mais il a oublié de mettre en route le lave-vaisselle. Le lave-linge, oh putain. Le lave-vaisselle. Oh, je te jure. Hop, tu vas aller aux toilettes. Et on va faire le dodo. Ah, mais je sais pas, là, ça bug à mort. Je l'ai pas vu arriver, le réparateur. J'ai dû téléphoner en plus 2 fois. C'est inadmissible. Inadmissible. Bon, Amélie, elle a déjà attaqué le plat. Mélo, elle va attaquer le plat aussi. Puis je pense qu'elle va discuter avec Amélia, vu qu'elle l'a pas vue hier pendant un long moment. Amélia, d'ailleurs, se rapproche. Il écoute l'histoire idiote d'Amélia. Ok. Et du coup, moi, je travaille pas en fait là. Là, maintenant, si, d'accord, on était en vacances. On va le nourrir. Ça aussi, j'aimais bien que bah, le lit soit défait. Vous savez que c'est à nous de le faire. Je comprends pas ce changement là. Genre, tu te lèves, tu fais ton lit tout de suite, toi. Bah non. Je trouve ça con. Ok, donc on a entamé ça. Bah écoutez les amis, on va se quitter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On va bientôt se retrouver, donc je pense que l'anniversaire, on le fera ouais, juste après. Ouais, on le fera dans le prochain épisode, sûr. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite et portez-vous bien, bye bye!